salut les amis, on se retrouve encore avec notre agent 47. Alors rappelez-vous, on a fait un tir au pigeon, un tir en sniper dans un parc. On les a tués en les empoisonnant dans un restaurant pour ensuite exploser un véhicule qui a tué le reste de l'Ultus Bleu. Puis on est retourné dans un restaurant, on a assassiné le chef de la police en faisant porter un chapeau au dragon rouge, pardon. Du coup, là, on se retrouve dans une mission qui vous rappelle un petit peu le restaurant. On a fait exploser la voiture qui était passée par là, qui avait fait boum, rappelez-vous. Et bah écoutez, on va devoir retourner dans ce restaurant. Et petit briefing, allez Diana, mets-nous au jus. Tout se passe comme prévu, 47. Li Hong est dos au mur. Il a dû se retrancher dans sa forteresse. Nous avons un agent sur place, mais il n'a plus donné de nouvelles depuis des semaines. Finissez-en avec Hong, prenez sa figurine de jade et rentrez. Vous ne devez pas échouer, 47. On n'aura pas une deuxième chance. Vous avez compris. On n'a pas de seconde chance. Allez, c'est parti. On va déjà rentrer dans cette grande bâtisse comme la dernière fois. Et sans se faire repérer, bien sûr. Allez, hop, c'est parti. Il s'agit de l'avant-dernière mission pour ceux qui sont curieux. Il n'en reste plus beaucoup d'épisodes entre nous. Tant mieux. Le dernier épisode va être le plus dur, il me semble. Ok. On va rentrer par là. C'est parfait. Ok. Ok, là il est mort. On le prend. On le traîne. Non, on va le traîner ici. On va cacher son cadavre par là. Voilà, on va le foutre derrière le coffre au cas où. Bon, on va prendre tes vêtements, petit. Ok, on va pas se faire repérer. Et normalement, tout en bas, voilà, faut qu'on aille libérer notre agent qui est juste ici. Qu'on s'occupera de notre cible. Bien après. Donc là, le but c'est de pas se faire repérer, les amis. Étant donné qu'on a déjà infiltré la baraque, on va sauvegarder. Et là, faut qu'on passe délicatement sans se faire repérer. Voilà, sans se faire repérer, bien sûr. Il y a pas mal de Yakuza quand même. Hein. Mais bon, la garde a été un peu renversée pour le planer enfin. Hein. L'ascenseur. Bon, je vais descendre. Si tu veux venir. Salut. Premier étage, c'est VIP. Rez-de-chaussée, ça va encore. Sous-sol. Sous-sol, on y arrive. Alors là, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce qu'il y a par là? Là, ça me rappelle la première mission avec notre agent 47. Ouais. Est-ce que par là il y a quelque chose? Ou pas? Ah, c'est le cuisinier, ça, non? Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, il y a carrément les trucs de vêtements ici et tout. Ok, donc ça c'est cool. Il y a même des vêtements de cuisinier, donc ça c'est cool. On pourra passer par là. Nous, on va aller voir si c'est pas l'autre du coup. Sur le radar, normalement, si. Ok, on prend aucune arme.
On passe juste tranquille. Ouais, à la limite on peut prendre un Uzi, on l'a pas encore. Il veut pas le prendre par dessus. Non. C'est pas ici. Est-ce qu'on va passer? Là est la question. La mort de Li Hong. Ok, ni vu ni connu. Faut raser les murs en fait. Mais vraiment, les développeurs, ils ont vraiment mis des ennemis partout quoi. C'est. Tu peux pas être déguisé juste en 47 quoi. Tu es obligé d'être en ennemi là. Bon, ils doivent remarquer que je suis pas chinois quoi. Mais bon, s'il y a autant de gardes, c'est qu'il y a bien sûr notre agent qui est par là. C'est pas obligatoire de le libérer, hein, pour information. C'est juste fortement recommandé. Ok. Normalement, là, je l'ai dépassé. Si. Ok, bah toi tu as tourné un peu la tête, non? Ok. Ok, nickel. Ni vu ni connu. Et là, normalement, on a notre agent qu'on avait libéré aussi dans Hitman 2, rappelez-vous. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je... Oh, non! Non, pas encore. C'est mieux. Oh, mec. Merci. Vraiment, merci. Qui tu... Oh. Merci. Il me faut la figurine de jade de Li Hong. Vous savez peut-être où elle se trouve. Vous n'imaginez pas ce qu'ils m'ont fait. Mon Dieu. Tout d'abord, ils ont pris une chaise, et ensuite... Où est la figurine de jade? Je l'avais presque. Maintenant, elle est enfermée dans un coffre, dans le dépôt d'armes au sous-sol. C'est tout ce que je voulais savoir. Méfiez-vous de Zun. Ce salaud, c'est lui qui m'a fait ça. Vous devez vous débarrasser de lui pour avoir Hong. Ce sera pas facile. Il se quitte pas. Zun voit tout, entend tout, vérifie tout. Il goûte même ce que Hong mange. Et puis il y a Hong. C'est un fou furieux. Il a une épée empoisonnée, une seule éraflure, et vous êtes foutus. Je comprends. Prenez soin de vous. Oui, merci. J'espère que l'on se reverra dans de meilleures circonstances. Oui. Vous avez le droit d'y croire. Ok, donc ça c'est cool. En fait, il s'est un peu téléporté là. Ah ouais, une porte cachée ici. Je connaissais pas. Ah ouais, sympa la porte cachée. Je connaissais pas. Ah, ils sont malins les chinois. Ils ont caché une porte cachée. Ok, sympa. D'accord, il y a caché. Ah, c'est pour ça que je l'avais pas vu. Mais du coup, s'ils sont passés par là. Ouais, il a dû passer en mode. Ouais, voilà, je vois le truc. Alors, notre cible, elle est où? Vas-y donc, elle est où ma cible? Ok, donc là. Bon, on va tuer la cible, c'est parti. Ok, donc là maintenant faut qu'on aille en haut. Mais moi je pense que c'est passé par là, ouais. En fait, je suis repassé par ici pour rien. Reprendre la porte secrète là. C'était vachement utile du coup.
Voilà. On va passer par là. Bon, pour la prochaine fois, si un jour je veux faire un speedrun, bah je connais ce passage. Qui n'est pas sur la map, bien sûr. C'est fort dommage. Et du coup... je connaissais pas par ici aussi. Ah ouais. Ok, en gros c'est tout... tout ce qui est à côté, mais en version... jumelle, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Franchement. C'est nickel tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Non, on va prendre un M60. Tu imagines prendre le M60 là? Je vais faire un massacre. Allez, l'ascenseur, dépêche-toi. Quand on sera dans l'ascenseur, on sauvegarde. Et on se casse là. On va à la résidence. Voilà. Voilà, on fait une petite sauvegarde. Car on en a bien besoin. Et on va arriver à la résidence de Monsieur Hong, Li Hong. Il faut que je passe par où là? Ok. On va passer par là. Ok. On va passer par là. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Ok, là je suis un peu perdu. Non, je suis pas perdu. Sans attirer l'attention des gardes. On va pas attirer l'attention des gardes. On va repartir du coup. Là. On n'a pas le droit de monter normalement. Est-ce qu'il s'est tourné? Non. Il va redescendre là, normalement. Faire attention à Zone, comme il disait l'agent. Putain, l'agent il va pas se tourner ou quoi? Il va rester comme ça? Ça m'étonnerait. Ok. On va y aller tranquille. Il va peut-être nous oublier. Je sais pas ce qu'il veut. Bon, en tout cas, il va l'avoir. Voilà, là. Ok, là personne le sait normalement. Ok, on va mettre son corps là. Normalement, personne ne va le trouver par ici. Ok. Petite musique d'ambiance là. Là, on sauvegarde. Enfin, j'ai peur que Zone, en fait, il nous remarque direct. Ouais, c'est bien ce bâtard, c'est bien ce gros là. Je l'aime pas ce mec. Mmh.
Putain, je l'ai pas vu. Waouh. Waouh, c'est chaud là. Putain, le garde il a su que j'étais là quoi. Fait ses rondes de merde ce mec. Ok. Oh putain, avec sa lame en plus. Waouh. La mort de Li Hong. Voilà. Normalement, t'as le gros lard qui descend. Ok, l'autre il sortait sa putain d'épée là. Oh, j'allais me faire buter. Ok, on la tire. Faut bien la tirer, la sortir d'ici, voilà. Voilà. Comment se faire encore repérer? Normalement, faut vraiment le faire délicatement, tranquillement. On remonte. Dès qu'on est là-haut, normalement, c'est bon. Ok, là, on peut permettre de courir. Voilà. Faut qu'on la tire encore une fois. On va la tirer par là, tu vois. Là, cette fois, je vais l'avoir. Ok, non, nickel. Là, on peut se permettre de sauvegarder avec la petite musique d'ambiance derrière. En plus, il y a le gros là. Il y a le gros là. Là, c'est parti. On l'assassine. Ok. Oh, combinaison, c'est parfait. On va le foutre par là. Bon, c'est bon, on a tué Li Hong. Maintenant, faut qu'on aille en bas. Rappelez-vous, dans la cave. Et on va laisser le gros dodu en vie là. Il m'intéresse pas. Par contre, lui il doit faire mal hein. Ok, on va descendre tranquillement. Sans tirer l'attention.
Il me fait penser un peu au mec dans Kung Fu Panda, le Ken. Voilà, on se casse tranquillement. L'alerte, normalement, elle devrait pas être donnée avant bon moment. Tire pas trop l'attention, voilà. On va reprendre l'ascenseur, nous. Voilà, passer au sous-sol. Normalement, la statue de Jade, d'après notre ami l'agent, doit être en bas. C'est l'autre côté. Moi, je repasse par mon chemin caché. Voilà, voilà. C'est par là. Normalement, il y a le garde juste après, là, si je me rappelle bien. Faut avoir une bonne mémoire. Hein. Et là, on se retrape un sprint. C'est parti. On se passe par là, tranquille. Oh, ok, là on passe nickel. Hein. Ok. Ah merde, le coffre il est là-bas. Il est là le coffre. J'ai oublié. Paf. C'est ici. On sauvegarde, on sait jamais si c'est le mauvais coffre. Je préfère sauvegarder comme ça. Yes! On a la statue de Jade. On se dirige vers la sortie maintenant. Ok. Et là, normalement, c'était quoi, premier étage, il me semble. Non, c'était pas là. C'était là. Salut les Chinois. Ou les Japonais. Non, c'est les Japonais ou les Chinois. Non, je pense que c'est les Chinois. Mais on ressemble beaucoup à des Yakuza quand même, hein. Ça fait très Yakuza votre style, les gars. Ils ont quand même pas mal d'armes. Hein. On se casse, nous. On a fini notre mission. Oh la main. Allez hop. Là, si on n'a pas fait Assassin Invisible, alors je sais pas ce que j'ai raté. Hein. Allez, c'est parti. La sortie est juste là, les amis, c'est bon. On y est. Yes, et professionnel. Mais qu'est-ce que j'ai raté encore? J'ai tué 3 ennemis. Niveau agression, je suis fort, ouais. Mais bon, what else? C'est chelou. Ok, bon bah écoutez, on va partir sur la dernière mission. Et pour le dernier épisode de ce Let's Play de Hitman Contract, on se retrouve juste après.